الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الحضور الكريم مرحبا بكم حياكم الله أرجو من الله أن تكونوا كلكم على خير آه هذه الحصة الثانية من الدورة الثانية بالنسبة للمستويات الأولى آه بالنسبة للمستويات الأولى تخصصات علوم المهندس صادف صادفت هذه الحصة اليوم العالمي لحقوق المرأة آه لوي مارس ثمان, آه ثمان من مارس فأغتنمها كذلك آه فرصة لكي آه أبارك للنساء أينما كنا محليا ووطنيا ودوليا وحييهن وبارك لهن اليوم هذا اليوم الخاص بحقوقهن واللائي يعملن في مجالات متعددة أمهات مربيات حقوقيات في السياسه في كل المجالات فتحيه خاصه اليوم سنبث لحضاراتكم الدرس الثاني من الدوره الثانيه ضمن قناه الثقافه العربيه والترجمه مقدم الحصة نور الدين حالي بالنسبة الى هذا الدرس هي الحصة الثانية كما قلت ضمن الدورة الثانية مسارات الثقافة الوطنية ايتينيرايغ دو لا ناسيونال و ضمن الوحدة الثانية وهي الحصة رقم كما قلت C'est une version, terrible. Et bien sûr, donc le, le support, ça serait identité ethnique et identité culturelle pour Selim Abou. L'objectif général de la séance sera l'étudiant doit être conscient du fait. Que les ethnies contribuent fortement à l'identité culturelle nationale. L'objectif spécifique rendre en langue cible convenablement contexte le système de liens chronologiques dans le texte source. Le système de liens chronologiques ça veut dire « Pour la méthodologie, vous le savez déjà, support lecture, identité ethnique et identité culturelle, nation, nationalité, ethnie. Ces concepts gardent obligatoirement l'équivocité qu'ils ont hérité d'une histoire européenne fort complexe, celle des processus multiforme de prise de conscience nationale, de dislocation des empires et de formation des états territoriaux. Les ethnies alors appelées nationalités ne sont se sont trouvées englobées dans trois types d'états. Les états-nations où la nation coïncide à peu, peu de choses près avec l'ethnie. Les états pluriethniques où la nation comprend plusieurs ethnies géographiquement concentrées ou dispersées, enfin des États également pluriethniques mais recouvrant des fractions d'ethnies. Les nations ainsi constituées, quel que soit leur degré d'homogénéité et d'hétérogénéité, ethniques ont tendance à se définir de deux manières différentes, soit en invoquant les critères de l'ethnicité, race, langue, religion, Etc. Soit en affirmant la volonté des citoyens de vivre ensemble et d'assumer un destin commun. Mais dans l'idéologie nationaliste, chaque définition prétend englober l'autre selon son essence. Enfin, dans les nations du Nouveau Monde, profondément affectées par l'immigration massive issue de l'Europe, on appelle groupe ethnique des groupes par la culture de leur nation d'origine. Une conséquence de toutes ces ambiguïtés est la confusion qui frappe aujourd'hui le concept d'identité culturelle qui est référé tantôt à, euh, à la culture du groupe ethnique, tantôt à celle de la nation et parfois même à celle d'une inst instance supranationale. Il importe de remédier autant que faire se peut à ces imprécisions avant d'aborder les problèmes d'acculturation, qui sont essentiellement des problèmes d'identité et de déférence. L'identité culturelle plonge ses racines dans l'identité ethnique. Or, si l'ethnicité joue un niveau un, au niveau d'un groupe, voire d'une nation, peut-elle jouer au niveau de plusieurs nations liées par certains traits culturels communs D'autre part, quels sont à, chaque, à chacun de ces niveaux, les rapports d'inclusion et d'exclusion qui régissent les relations entre l'identité ethnique et l'identité culturelle. Enfin, comment s'articulent chez l'individu les diverses allégeances groupales, nationales, supranationales, pour former son identité culturelle globale. Ce sont des, ces problèmes. Que nous nous proposons, sinon de résoudre, du moins d'élucider, en envisageant successivement les rapports entre la culture et l'ethnicité, l'identité culturelle et la conscience collective, l'identité culturelle et la conscience individuelle. Selim Abou, L'identité culturelle, édition Perra, Beyrouth 2002. Merci pour votre attention. Passe à la mise en situation. Comment appelle-t-on la science qui s'occupe de l'étude de des ethnies. Certainement, c'est l'ethnologie. C'est un domaine cognitif. C'est le domaine cognitif du texte support. Qui est Selim Abou Né en 1928 à Beyrouth, Selim Abou. Est un écrivain, philosophe et anthropologue, docteur S. Lettres en 1962. Il enseigne la philosophie et l'anthropologie à l'école supérieure des lettres, puis à la faculté des lettres et des sciences humaines qu'il crée au sein de l'université Saint-Joseph de Beyrouth en 1977 et dont il sera le doyen jusqu'en 1900 93. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Liban déraciné, immigré dans l'autre Amérique. Composante énonciative qui part dans le texte, système énonciatif est-il homogène Quel est le public cible Sans des questions. Ordinaire, donc habituel. Le locuteur Selim Abou, le système énonciatif est homogène. Le public cible et le lectorat de l'ouvrage, l'identité culturelle. Pour la composante textuelle, le texte en question est un essai de type argumentatif sans domaine et l'ethnologie. Composant thématique, les idées du texte, l'ethnicité et l'identité culturelle sont-ils deux concepts indépendants? Ou bien on peut dire l'ethnicité et l'identité culturelle sont-elles deux concepts indépendants? En variant la référentialisation. Les deux cas sont possibles. Voilà donc. Premièrement, on doit répondre à cette question. L'ethnicité et l'identité culturelle sont en interactivité. Ils ne sont pas indépendants. Ils sont en, en, en interactivité. Donc, pourquoi les termes ethnie, nation et nationalité ne sont-ils pas stables du point de vue conceptuel les termes ethnies nation et nationalité ne sont pas stables du point de vue conceptuel car ce sont des termes ambigus quel est quel rapport entre l'identité culturelle et l'identité ethnique une petite phrase résume ça et elle est puisée dans le texte l'identité culturelle plonge ses racines dans l'identité ethnique donc l'identité culturelle plonge ses racines dans l'identité ethnique, c'est-à-dire euh, si on veut prendre cette métaphore-là, euh, donc l'identité culturelle plonge ses racines, donc c'est-à-dire que tout simplement l'identité ethnique c'est l'origine. Par exemple, si on dit un arbre plonge ses racines dans la terre, la terre c'est c'est ce qui est euh, l'origine. Donc le secondaire c'est l'identité. Donc l'identité culturelle. C'est une phrase qu'on peut, qu peut analyser, qu'on peut interpréter de, de différentes manières. Maintenant, on passe à la, deux, à la troisième partie de notre, de notre leçon, préparation à la traduction. Tournures linguistiques, les tournures qu'on ne peut pas traduire littéralement, généralement, à peu de choses près. Selon le contexte, on peut lui donner l'équivalent. Voilà le contexte

puisque ces termes sont ambigus, comme on a vu, euh, ils ont d'autres équivalents, mais on va prendre l'ethnia. L'ethnia. ethnie, Équivocité. l'équivocité, l'équivocité et l'iltibès, dislocation des empires, chel el dans ce cas, اتا تيريتوريو دول اقليميه اتا ناسيون دول قوميه اطع بلوري اثنيك دول متعدده الاثنيات Phénomène morphosyntaxique, comment rendre en arabe les connecteurs chronologiques dans le texte Les connecteurs chronologiques, voire expressions en rouge dans le support, sont rendus en arabe par des compléments. Ainsi, on passera à la traduction, travail individuel, premièrement. Les apprenants on leur donne 20 minutes par exemple pour un paragraphe et on va prendre on va sélectionner une production qu'on va écrire au tableau et bien sûr on va discuter c'est à dire passage au travail collectif voilà الجنسية الإثنية هذه المفاهيم تحتفظ بالضرورة على الالتباس الذي توارثته عن تاريخ أوروبي بارغ التركيب والتعقيد التباس عمليات الوعي الوطني المتعددة الأشكال والتباس خلع الإمبراطوريات وتشكل دول إقليمية وقد تمثلت الإثنيات التي سميت وقت ذاك جنسيات في ثلاثة أصناف من الدول الدول القومية حيث تتطابق الأمة تقريبا مع الإثنية والدول المتعددة الإثنيات حيث تتضمن الأمة العديد من الإثنيات المركزة جغرافيا أو المتفرقة وأخيرا الدول المتعددة القوميات أيضا لكن التي لا تغطي إلا أجزاء من الإثنيات والقوميات المتشكلة على هذا المنوال مهما تكون درجة التجانس أو عدم التجانس الإثني داخلها يؤول الأمر إلى تعريفها بطريقتين مختلفتين سواء باستحضار معايير الإثنية السلالة أو اللغة أو الدين إلى آخره أم بتأكيد إرادة المواطنين في العيش في جماعة وتحمل المصير المشترك بيد أن كل تعريف في عرف الإيديولوجيا القومية يشمل في جوهره التعريف الاخر، واخيرا تسمى مجموعات اثنيه في عرف قوميات العالم الجديد المتاثره بعمق بالهجره الجماعيه من اوروبا، المجموعات الموسومه الموسومه بثقافه امتها الاصليه. ومن نتائج كل هذه الالتباسات آه الخلط الذي يطبع اليوم مفهوم الهوية الثقافية هذا المفهوم الذي يحيل طارة على ثقافة المجموعة الاثنية وطارة على ثقافة الأمة وفي بعض الحالات يحيل حتى على سلطة فوق وطنية ومن الأهمية بما كان تسليط الضوء على هذا الغموض قدر الإمكان قبل التعرض للمسائل المتعلقة بالتثاقف أو التفاعل الثقافي التي هي أساسا مسائل متعلقة بالهوية والاختلاف فالهوية الثقافية تضرب بجذورها في الهوية الاثنية عفوا هنا الالتباسات في الأعلى هنا الالتباسات همزة وصل هذا وقع سهو سأصححه وفر عفوا سأصححه بمجرد الانتهاء من من هذا الفيديو لكن الاثنية الاثنية إذا لعبت دورها على مستوى مجموعة ما أو على أبعد تقدير على مستوى أمة ما فهل يمكن أن تلعب دورها على مستوى مجموعة من الأمم التي تربطه تربطها بعض السمات الثقافية المشتركة وما هي من جهة أخرى في كل مستوى من هذه المستويات علاقات التضمن أو الإقصاء التي تنتظم العلاقات بين الهوية الاثنية والهوية الثقافية واخيرا كيف تتمفصل عند الشخص مختلف الولاءات الجماعيه والوطنيه والفوق وطنيه من اجل صياغه هويته الثقافيه الاجماليه وهذه الاشكالات هي التي نريد وان تعذر حلها على الاقل توضيحها الاقل توضيحها وذلك بالتعرض بالتتابع للعلاقات بين الثقافه والاثنيه وبين الهويه الثقافيه والوعي الجمعي وبين الهويه الثقافيه والوعي الفردي سليم عبو الهويه الثقافيه منشوره بيرين بيروت 2003 وبهذا استودعكم الله مساءكم سعيد ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله